Ah, merci. Quitte à... Si t'es Avant que grave, tu c'est téléportes la Nassim Kala. personne. Oui, vas-y, dis-moi. Ouais, mais attends. Oh, Verdeuse, ça Vas-y, va? dis-moi, oui, ça va, vas-y. Ouais. Tu sors du vendeur de vêtements. Tu vois, t'as le truc qui monte au concessionnaire. Bah, Ouais. genre, moi, je tourne correctement. Lui, il arrive à contresens. Il me rentre dedans. Il casse mon véhicule qui avait que Ouais. 3%. Ouais. Et machin. Après, il descend. Il se met à m'insulter. Oh, va te faire enculer, connard, machin. Il remonte. Il se barre. Donc, je le suis jusqu'au concessionnaire. F1, je le prends. Et voilà. Ouais, il m'a insulté. Va te faire enculer, connard. J'ai un problème avec toi, parce que en fait, tout simplement, tu es rentré dans cette personne à une sortie de virage. Il a voulu faire un constat, ce qui est tout à fait RP, tout ce qui est tout à fait normal. Et toi, tu t'es barré en l'insultant, en lui disant, va te faire enculer, connard. En gros, tu vois, on s'est rentré dedans, tu vois, je me suis barré, tu vois. Parce que tu as des feuilles en main, tu vois, dans la vraie vie, ils font un accident, ils se barrent, tu vois, je me suis barré, je suis allé au réparateur. Et ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, j'ai dit, va te faire voir, tu vois, j'essaie de pas lui dire d'en dessous, tu vois, j'ai dit, va te faire voir, tu vois, je sais pas moi, tu vois. Essaie de pas dire, va te faire foutre, tu vois, parce que c'est trop tellement pas très cool, tu vois, j'ai dit, va te faire voir, tu vois. C'est la Et vérité, je mec. pense que c'est pas la vraie vérité, Nassimo, parce que quand je vois tous les avertissements que t'as pris en moins de 5 jours, tu devrais même plus être sur le serveur, en fait, tu vois. T'as été averti le 23, le 27, le 21, le 26, le 26, le 26, le 30, le 28, Il le est plus 25, là. le 27, le 29. Il n'est plus Ah, là. quoi qu'il arrive, Jean Delamarre, tu me dis bien qu'il t'a insulté. Ouais, bah je dirais insulte moyen. C'est Parce entre que... grave et léger. Ouais, parce que du coup tu l'as insulté, Nassimo, et les insultes c'est Encore, interdit sur le serveur, tu vois. Moi je pense, alors, Nassimo, tu t'es un peu énervé, t'as quand dit je va te mens, faire c'est en. foutre, Non. et puis voilà, c'est parti tout seul, tu vois. Maintenant, je vais devoir te mettre une action non roleplay, et puis voilà, tu reviendras en 1440 minutes, hop là. Bon bah bonjour à toi, Jean. Hello! Le spam micro c'est interdit, et donc ta musique c'est interdit, et les gens se plaignent de toi. Ah. Ah, bah ouais. Sérieux? Bah ouais, je vais regarder ton casier. Du coup, si t'as rien fait, je te mets rien. Si t'as fait quelque chose, je te mets un petit ban. T'as un Ok, mais ban. je voulais juste. Ah, mais attends, c'est Verdose là, c'est ça, hein? Non. Parce que je t'adore. Bon, t'as déjà un casier bien chargé, mon petit Michelin. On va pas se le mentir. Sûrement. Sûrement. C'est sûr, même, mon gars. Attendez, il doit y avoir un truc spam micro. Ah ouais, maintenant je vais pas mettre un spam micro, c'est 2880 minutes le pauvre. Non, je vais lui mettre un truc genre tranquille, un truc de, je sais pas, 600 minutes, c'est bien 300 minutes tu vois même. Attendez. Ouais, je vais mettre 60 minutes. Ok, donc du coup, je vais être gentil, je vais te mettre juste un ban de 60 minutes pour le spam micro, ok, parce que je suis pas un gros chien. Le nom de ton ban, ça sera pas spam micro, parce que si je te mets un vrai spam micro, tu prends 2800 minutes. Et je pense que tu préfères prendre 60 minutes que 2800. Donc du coup, je te mets ça tout de suite. Oui. Merci, hein. Mais Voilà. Non, je lui mets 60, les gars. En vrai, je lui mets 60 parce que. En fait, faut aussi voir quelque chose. Faut aussi voir quelque chose. C'est que tu vois, par exemple, quand tu prends un mec qui a énormément de trucs, lui par exemple, tu vois. En fait, faut regarder les dates, tu vois. Et là, on est actuellement le 3 novembre. Et ces deux dernières sanctions, le mec a daté du 30 octobre. Et il avait rien avant, tu vois. À part en août, tu vois. Donc, je vais pas être un fils de pute. Il avait juste un micro qui se parlait un peu, tu vois. Je lui ai mis 60 minutes, tu vois. Pas non plus être un gros. Mais tiens, si vous êtes mort. Tu descends du véhicule? Ok. Donc t'es à l'arrêt, t'es braqué par une arme, mais tu sors pas du véhicule. Mais ben, je lui ai dit que j'avais trouvé ça et me braque. Bah s'il a décidé de braquer pour une telle raison, pour te fouiller ou quoi, est-ce qu'il a le droit? Non, je pense, il est flic, il fait partie de l'autorité publique. Ok. Oui, Donc il a le droit. toi t'es braqué par une arme, Ok. t'es dans ta voiture, t'es à l'arrêt, t'as pas à partir en disant bah si tu me tires dessus t'es mort, ok? Donc là je vais regarder ton casier, on va voir ce que je vais D'accord. t'appliquer comme sanction. D'accord. Stanley. Stanley il a rien. Ah si il en a une je crois, merde il en a une je crois, attends. Stanley, je crois qu'il en a une, non? Ouais il en a une, hors RP vocal, je vais appeler un dieu et il l'a fait aujourd'hui. Donc t'as déjà un avertissement en plus aujourd'hui pour du RP vocal. C'est ton deuxième avertissement dans la journée. Donc ce sera pas un avertissement cette fois-ci, ça sera directement un petit ban pour action non roleplay. J'aurais un bal là? Bah oui. Voilà. Hop là.
Alors, juste, je tiens à prévenir, je veux pas qu'il se fasse sanctionner ou quoi, parce que j'ai pas de preuves, de toute façon, j'ai pas de rec, mais genre, gros, le slash citizen devant moi, quoi, ça passe pas, genre, fais gaffe, tu vois. Surtout pour dire c'est juste interdit, tu te fais prendre un flag et t'es ban, quoi, donc évite, genre. Parce que c'est totalement interdit, donc. Ouais, non, mais il l'avouait qu'il l'avait fait. Hein. Après, je peux rien dire, tu vois. Je peux rien dire, j'ai pas de preuves, mais entre toi et moi, tu vois. Ah bah ça va, alors c'est à vous. Je te retourne. Ok, Dominico, donc du coup, c'est interdit de faire un slash citizen en... quand c'est comme ça, ok, c'est vraiment interdit. Dominico, ce que je vais faire, c'est que là, je viens de regarder tes warns et t'as énormément de warns, mon pote. Hein. Donc t'es pas nouveau sur le serveur, tu devrais savoir que le slash citizen est interdit, c'est marqué dans le règlement. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas lu le règlement, donc tous les autres trucs, je sais, mais citizen. Je savais même pas et je viens d'apprendre la commande aujourd'hui. Là déjà. Ok, le dernier avertissement c'est quoi? Octobre. Ok, bon bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais te mettre un ban de 60 minutes au lieu des 600 minutes, ok? Parce que je suis gentil aujourd'hui, ok? Normalement tu devrais prendre 600 minutes mais je te mets 60 minutes à la place, ok? Voilà. Je suis vraiment gentil aujourd'hui quand même, hein. Je suis vraiment gentil, hein. C'est pas le micro, ça me borde. Estelle, j'appelle Estelle. Je suis assis contre un muret. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Vous êtes prêts? Alors attends. J'ai l'impression que les oreilles vont sauter. Attends. Tadadam. Allez hop, c'est terminé. Ça a été trop rapide les gars. Tadadam. Allez, ça dégage. Ban. Oh là là, il fait un carré. Il renverse tout le monde. Hop là, tu descends. Je te vois plus en reprendre un véhicule, sinon je te mets un ban ferme, ok? Il a payé pour un fromage donc vous lui donnez un fromage. Bah, en fait ils se ressemblent tous du coup Bah ouais, mais on peut pas faire grand chose. Ah, mais t'es et on a qu'un four. Tu as donné l'argent. Bah, tu lui donnes le fromage maintenant. Maintenant qu'il a payé tu lui donnes. Jean-Ré, tu peux m'expliquer pourquoi ici il y a pas de kebab pour rentrer chez toi? Jean-Ré, allô? Jean-Ré, il y a pas de kebab à l'extérieur, c'est du props block. Et pourquoi tu fais le mort alors que tu l'es pas? Verdose. Ouais. Tu peux utiliser ton keypad checker pour vérifier s'il y a un keypad sur la porte? Bah ouais, c'est ce que je voulais voir, mais je vais voir ça, je sais. Trouveur de keypad admis dans l'appel, j'ai besoin de ton keypad. Ouais, y'a pas. Y'a pas okay. De... Y'a pas bah. De... Donc c'est le problème. Hop là. Ce gars, il fait semblant de faire ça alors que tout à l'heure, il marche. Ok, alors je t'explique Léon. Y'a cette personne qui se plaint de toi parce qu'elle t'a braqué et tout simplement, tu as sorti une arme et tu l'as tué. Il a braqué mon ami et il avait le dos tourné, donc j'ai sorti une arme pour sauver mon ami. Non, supériorité. Non, non, en fait, si tu veux, là, il y a des PC, tu vois. Ouais. Flex, ton ami, son chucky. Il ouvre, prend mon bloc, je dis rentrez-vous de rentrer. Allez, contre le mur, je pointe les deux mecs, je dis rentrez-vous de monter contre le même mur. Et puis, lui, il sort son arme et il me tue, mais j'ai une balle. Tu sais que tu peux pas pointer deux personnes en même temps. Bah, si, tu peux. Surtout quand t'es deux personnes. Bien sûr que si, Léon, arrête de dire n'importe quoi, bien sûr que si, je peux braquer deux personnes. Tous les deux parce que nous ne sommes pas à côté. Mais gros, t'es dans la même pièce, t'es pas censé sortir ton arme et la batte, gros. Ils vous braquent tous les deux, ils vous mettent tous les deux contre le mur, même si vous êtes retourné, gros, t'as pas sorti ton arme et la batte, gros. Vous êtes braqué par une arme. Il pointait mon arme et il pointait mon ami et il était de dos à moi. Oui, mais il était à 1 mètre de toi, gros. Mais même, il était à 1 mètre de toi, gros. Léon, arrête un peu. Sors son arme de l'inventaire en LP, braque en LP, avoue son officier RP, prochaine fois ban, ok, c'était en janvier, donc ça va. Je vais juste te mettre un avertissement, Léon Pereira, parce que t'as pas pris d'avertissement depuis très très longtemps. Mais par contre, c'est pas ta première fois, c'est la deuxième fois que tu sors ton arme sans en avoir le droit. T'as déjà un avertissement pour cette raison-là. Donc t'es au courant quand même. C'est pour ça que je te mets juste un avertissement et pas un ban, Léon. Je te souhaite un bon jeu. Je veux savoir où tu vas Benoît là. Il est noté. Mais il y a personne qui me regarde, j'ai le droit. Ouais non Benoît, allez tu vas prendre ta. J'en ai deux pour qui me respectent depuis tout à l'heure. Benoît. Eh mais juste Verdon, là j'ai le droit de me barrer parce que personne me pointe avec un taser. C'est pas qu'ils sont pointés par un taser, le mec il est en train de te mettre une amende, t'as pas le droit de te barrer. Il est devant toi, il est en train de te mettre une amende, t'as pas le droit de te barrer Benoît, arrête un peu.
Mais déjà l'amende elle est injustifiée, tu vois, parce que moi aussi mais ce qui est justifié c'est le bon que je te mets, allez hop. Il est trop con, il a trop pas de chance, j'étais juste devant, tu vois. Il a trop crié, il pouvait partir comme ça. T'imagines, t'es menotté dans la vraie vie. Le flic il est en train de te mettre l'amende et toi tu t'en vas. Attrape ton amende. Il parle mal. Le chapeau là, il tape comme ça, il a des informations, il met des amendes gratuites, il me fouille comme ça, tranquille. J'ai pas mis d'amende, s'il te plaît. Appelle un modo, mec, je suis pas. Bah, je comprends pas la langue par contre. Ah, par contre, tu fais pas de voir. Hop là. Donc, toi, y'a un citoyen qui vient te voir pour se plaindre d'un flic et tu lui demandes d'appeler un modo en fait. Sanction pour RP vocal en fait, le mec vient te voir. T'imagines, tu vas voir un flic dans la vraie vie pour te plaindre d'un autre flic et le mec te dit bah va voir un modo. Alors qu'il aurait pu faire ça tranquille, tu vois, en mode RP quoi. Pourquoi monsieur? Oh monsieur, vous le laissez tranquille. Monsieur, vous le laissez tranquille. On s'en charge des gens, il a un problème psychologique. Je sais pas pourquoi tu la friteuses. Parce que j'étais là, hein. Il bougeait pas, rien, je peux savoir pourquoi tu la friteuses. Alors que tu pouvais juste le menotter. Il a dit connard en flic, du coup j'ai dit en se contre le mur. Et du coup il a dansé devant moi, du coup j'ai fait une formation, après il a dansé devant moi. Ouais mais en fait il dansait gentiment, tu pouvais juste le menotter, t'as pas le friteuse, tu vois. Surtout qu'en plus quand je vois ton casier mec, t'as un casier ultra méga gros. Mais ouais mais il y avait déjà des flics qui s'en occupaient, tu vois. En plus il y a même un GIGN qui est venu te dire d'arrêter de le taser, tu vois. Oui, non, mais oui, mais il a dit après que je tasse, mais je comptais pas le retasse. Ouais, mais tu l'as quand même tasse gratuitement, donc je vais te mettre une. T'as de la chance, t'as pas pris de sanction depuis un petit moment. Tes dernières sanctions datent de 2-3 mois. Donc je te mets pas un père, mais par contre, je te mets une sanction pour action de roleplay, voilà. Il y a de la chance que. En vrai, je vais pas lui mettre un ban perm parce que. Merde, j'ai ban du coup, mais. En vrai, il avait vraiment pas pris de sanction depuis longtemps, tu vois. Oh putain de merde! Oh le feu! Là! Attends, si je refonce dedans, j'ai mal. Hein. Oh le con! Eh mais lui, il est. Hop là, hello, tu viens ici, tu vas prendre ton petit ban. Mais ouais, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès, tu l'as fait 3 fois d'affilée, tu te fous de ma gueule ou quoi, Jordan? T'as 2 de QI en fait, t'as cru que j'étais con ou quoi? Je t'ai vu 3 fois le faire d'affilée. Mais le mec il s'arrête, il se garde sur le côté, tu lui fonces dedans, j'allais m'arrêter. Gros. Tu lui arrêtes, il se met sur le côté, tu lui fonces dedans et tu continues tout droit, Jordan, arrête de me prendre pour un con. Je suis pas un débilos, hein. J'allais m'arrêter. Ouais, bah moi aussi, je t'arrête pendant 2880 minutes. Allez hop. C'est un staff Jordan en plus? Mais non, c'était vraiment un staff Jordan. Jordan Mercedes, c'était vraiment un staff, les gars? C'était un staff Jordan? Mais non. Banni, oui, justement, t'as banni un modo. Ah, bah tant pis pour lui, hein, gros, il a qu'à pas faire n'importe quoi. Je le vois 3 fois d'affilée foncer dans un véhicule exprès pour troll, il prend un ban, gros. Il a de la chance, je vais en parler à Zertek, je vais le faire démote, c'est tout, hein, terminé. Aïe. Ok. Insane, je le vois 3 fois foncer dans le véhicule pour troll, gros, et je savais pas que c'était un modérateur. Moi, tu sais, modérateur pas modérateur, je m'en bats les couilles, les gars. Bon, bah voilà, on vient de ban un modo, les gars. Mais vous me débannissez pas, je vais faire un rapport à Zertek, de toute façon, je vais lui en parler, tu vois.